Ritmo féminin. Adèle Yamba Yamba. Encore le même son. Le même thème, la même chanson. 97.9 FM. Auditeurs, auditrices, bienvenue à notre deuxième partie de cette émission Rythme au féminin. Adèle Yamba Yamba au micro, Rythme au féminin, a le plaisir de parler directement à l'auteur, compositrice, interprète franco-albertaine multidisciplinaire, Renelle Roy. Bonjour Renelle. Bonjour, merci de l'invitation. Avec plaisir. Renelle, vous avez été entourée d'une famille passionnée par la musique. Cela a vraisemblablement encouragé votre choix de la carrière musicale. Dites-nous, comment s'est formée cette influence familiale? Oui, je pense que j'ai grandi, je suis franco-albertaine, j'ai grandi ici à Edmonton et puis mon nom de fille c'est Fania. Donc ceux qui sont à Edmonton depuis longtemps connaissent probablement un Fania, une Fania, quelqu'un qui fait de la musique parce qu'il y a des musiciens dans la famille, des directeurs de chorale, j'ai une cousine qui est chanteuse d'opéra. Donc, je dirais que quand on se rencontre en famille, on aime beaucoup jouer de la musique. Mm-hmm. Et puis, même Noël, on fait une petite chorale familiale et puis on chante des cantiques ensemble. On a des sopranos, des basses, on a toutes les parties. On peut vraiment se créer une chorale familiale. Ouais. Donc, ouais, j'ai grandi entourée de ça. Je suis pas instrumentaliste moi-même. J'ai joué un peu le piano, puis je joue encore un peu le piano. C'est comme ça que j'écris la musique. Mais je suis plus chanteuse. Ma voix, c'est mon instrument. Alors, vos débuts comme artiste remontent à 2000. Comment tout cela s'est mis en place? Oui, je pense que c'est drôle parce que malgré le fait que j'étais entourée de musique dans ma famille, j'aimais bien chanter, je ne le faisais pas comme artiste solo. Je n'étais pas quelqu'un... je faisais du théâtre, je faisais des sports et puis j'aimais chanter, mais je me présentais pas comme chanteuse. Puis ça a commencé, comme vous avez dit, dans les années 2000, quand j'ai terminé l'école secondaire. Je me suis dit, tu sais, j'avais plus de temps, je voulais voir ce que je voulais faire. J'avais considéré étudier en comédie musicale, parce que c'était un mélange de théâtre, de musique. Mais en fin de compte, j'ai fait autre chose. Mais la musique, je voulais pas perdre ce côté musical. Donc, j'ai joint la chorale Saint-Jean, la chorale universitaire au campus Saint-Jean. Puis, je pense que c'est ça qui m'a vraiment... donner encore plus. J'ai approfondi mes connaissances musicales. Ça m'a donné la chance de lire la musique, d'apprendre à chanter en harmonie. Et puis, c'est après avoir fait ça quelques années, j'ai fait des solos avec la chorale Saint-Jean. Puis, je me suis dit, oh, mais pourquoi pas, tu sais, me lancer comme en musique pop aussi. Parce que je faisais des solos avec la chorale, ça m'a donné le courage et puis le goût de faire la scène moi-même. Mm-hmm. Donc, c'est plus dans mes vingtaines que j'ai décidé, OK, je vais faire un peu la musique. Ouais. Une très bonne décision. Alors, écoutons votre première chanson, hein, qui est sortie de cela, je crois, 18 ans, hein, presque. Oui. À nu, en criant ou en silence, que voici. Dès le premier regard, j'ai su, même le premier toucher m'a plu. Ma voix tremblait en ta présence, mais toi t'étais fort pour deux. Bien droit, et tous les soirs auprès de toi, j'ai succombé à cet émoi. Tu m'as glissé entre les doigts, je t'ai supplié à mi-voix de rester près de moi. Tout en douceur,
C'était la chanson « À nu, en criant ou en silence » de notre invitée en vedette, Renelle Roy. Comment faites-vous pour combiner la carrière d'artiste et le rôle d'une mère? Parce que je sais que vous êtes mère, alors le deux. Je pense que toute maman peut comprendre quand on a des enfants, souvent on est occupé avec eux, parfois on met nos projets de côté. Pour la famille, pour les enfants. Ouais. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai pris, c'est une des raisons pourquoi j'ai pris un recul un peu en musique. Comme on discutait plus tôt, j'ai commencé dans mes vingtaines. Puis j'ai pris un recul de la scène. C'était pas juste pour cette raison-là, mais c'était aussi, je voulais travailler, je voulais essayer autre chose, je me suis mariée. Et puis j'ai les enfants. Mais je pense que c'est, je connais beaucoup de mamans qui font encore de la musique, qui ont fait ça quand les enfants étaient plus jeunes. Moi, j'ai pris une pause et puis c'est quand mes filles étaient un peu plus vieilles, je me suis dit, oh, ben là, j'ai le temps pour moi. Et puis je me suis relancée en musique. Mais je pense que qu'est-ce qui est le fun, c'est que ce qui est important, c'est que nos enfants voient leur maman heureuse et voient que leur maman fait vraiment qu'est-ce qui lui passionne. Puis maintenant, mes filles adorent ça. Elles aiment mes chansons, elles aiment me voir en spectacle. Et puis, elles chantent aussi. Mes deux filles chantent. Wow! C'est formidable. Alors, parlant de musique, un des aspects importants pour vous est de travailler avec d'autres artistes. Pourriez-vous nous parler de vos collaborations tout au long de votre carrière? Oui. Oh, moi, je suis une personne qui aime. Mais premièrement, mon background est très varié en musique. J'aime toutes sortes de musique. Donc, j'aime le classique. Ayant chanté dans une chorale, j'aime beaucoup la musique classique. J'aime beaucoup chanter en groupe dans une chorale. J'ai chanté dans un groupe rock quand j'étais plus jeune, la musique rock. Moi, je suis plutôt pop. Je chante aussi pour des mariages. Donc, moi, j'aime toutes sortes de styles de musique. Et puis, j'apprécie des autres artistes aussi. J'aime beaucoup travailler, collaborer avec les gens. Ouais. Alors, les collaborations, pour moi, c'est facile. On connaît bien, en parlant de femmes, Franco-Albertaine, Marie-Josée Ouimet, je la connais depuis longtemps. On a chanté à l'église ensemble. Sa mère, France, est une de mes mentors. J'ai aussi travaillé avec Robert Walsh, le réalisateur bien connu ici à Edmonton. C'est lui qui a fait le gala Albertine la chanson avec moi en 2003. Il était directeur musical. Et puis la chanson qu'on vient d'écouter, À nu, en criant en silence, c'est lui qui a écrit ça avec un ami pour moi quand j'ai gagné la compétition. Donc, l'été dernier, quand je me suis dit, OK, c'est le temps de lancer une nouvelle chanson, j'ai fait ça avec Robert Walsh. Alors, on a collaboré, on a écrit la chanson J'aime ensemble. Et puis voilà. Et puis finalement, cette dernière année aussi, j'ai collaboré avec l'artiste Two Moods, un Congolais qui est à Edmonton depuis longtemps. Et puis, comme j'ai dit, j'aime toutes sortes de musique.
J'aime beaucoup danser aussi. Alors, le hip-hop, le rap, pour moi, c'est toujours sur mes playlists. Ouais. J'écoute beaucoup cette musique. Et puis, je ne suis pas rappeuse du tout. Ouais. Mais c'était le fun de chanter avec un rappeur. Ouais. Parce que j'aime beaucoup cette musique. Alors, j'ai également fait deux chansons avec lui. Mais qu'est-ce qui représente pour vous ces collaborations? Wow! Je pense que c'est un échange de... Mais parfois, c'est un échange culturel, c'est comme un peu avec Two Moods. C'était, notre première chanson était un peu Afrobeats, puis j'écoutais pas beaucoup cette musique-là, mais là, j'ai découvert ça, puis j'adore. Alors, je pense que c'est un échange culturel, c'est aussi un échange de, c'est l'amour pour la musique. Comme je disais avec Marie-Josée, on a fait toutes sortes de musiques ensemble, dans les chorales, la musique classique, et puis c'est beau de collaborer avec des gens. Alors, ouais. Je pense que ça donne plus d'idées, ça rend ça plus riche. Et puis, tu apprends aussi. À chaque fois que je travaille avec quelqu'un, j'apprends. Je découvre, je savais pas que je pouvais bien chanter en harmonie comme ça. Ou bien, comme je dis, j'ai découvert un peu plus la musique afro grâce à Two Moods. Et puis, par exemple, ma chanson J'aime avec Robert Walsh, qui voulait que je chante plus pop, un peu plus dans la poitrine, alors que moi, j'étais habituée à chanter avec ma voix classique, plus soprano, classique, élevé. Alors, lui, il voulait que je parle un peu. Tu sais, que je chante, mais je parle. Puis, c'est comme étrange pour moi au début. Une nouvelle expérience, justement. Oui, c'est un autre style. Et puis, j'ai jamais été très bonne, pour être honnête, j'ai jamais été très bonne aux harmonies. Alors, parlant des collaborations, nous allons écouter votre chanson « En vol » en duo avec justement l'artiste Two Moods. Il voulait parler de ses peines, mais il pouvait pas. Ma peur d'être jugé, il a pleuré tout bas. Jamais il n'oubliera qu'il est venu d'en bas. Jeune Africain, vient de la tribu Louba. Y'a pas que la peine qu'il expérimentait. Y'avait de la sagesse qui augmentait. Un peu de frappe pour se remonter. Beaucoup de recherche pour s'illuminer. Les mauvaises habitudes sont éliminées. Les relations toxiques sont supprimées. Les bénédictions sont culminées. Les discernements s'est enracinés. Là maintenant, il a pris son envol. Tu ne le considères pas, il t'abandonne. Dans son cœur, il y a des antivols. Les bites et la scène, c'est ce qu'il raffole. Ce que c'était d'être grand, ils savaient pas ce que c'était d'avoir du cran. En tant qu'humain, le but c'est faire des plans et ne jamais oublier de prendre son temps. Il a créé sa philosophie, elle est basée sur la réciprocité. Tu lui souris, tu le respectes, il te fera pareil. Tu le négliges, tu le méprises, il te fera pareil. Il a pris de la sagesse et la stabilité. C'est se mettre en valeur et ses habilités. Surtout pas de la place pour la médiocrité. Les bénédictions depuis la maternité. C'était la chanson En vol, une collaboration avec l'artiste rappeur Two Moods. Renelle, vous n'avez pas, disons que vous n'êtes pas arrêtée là dans les collaborations. Vous avez continué d'ailleurs une autre collaboration avec Two Moods encore dans la chanson Crazy, sortie tout récemment.
Et vous avez l'air, hein, quand je regarde la vidéo, vous avez l'air d'une reine avec de belles images et maquillage. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Quelle a été votre inspiration et quel message transmettez-vous dans cette chanson? Oh, merci. Bonne question. Oui, mais la chanson, j'avais déjà cette idée en tête, même avant avoir rencontré Tumut. Je voulais utiliser. Premièrement, je voulais écrire une chanson en anglais. Je chante beaucoup en français et j'adore, mais je me suis dit, oh, peut-être que je devrais commencer, tu sais, lancer une chanson en anglais. Ouais. Et puis, j'aime beaucoup. J'aimais l'expression, je l'avais écrit dans mon. J'ai un cartable où j'écris des idées. J'avais écrit dans mon journal, You drive me crazy. Parce que j'aime que cette phrase-là peut être utilisée de façon positive dans un couple ou négative. Ça peut être, oh, you drive me crazy, je t'aime, je te veux, c'est sensuel. Mais aussi, oh, tu m'énerves. Alors, tous ceux qui ont été dans une longue relation peuvent probablement comprendre ce mélange d'aimer quelqu'un et de pardonner, de continuer, mais parfois, c'est. Alors, c'est ça, je voulais parler des hauts et des bas d'une relation. Donc, j'avais commencé à écrire un peu. Puis, quand j'étais en vol avec Tumut, à un point, je me rappelle pas quand je lui avais parlé de ça. Puis, je me disais, oh, ce serait le fun de le faire avec un homme, pour entendre l'autre partie L'autre du partie, couple. ouais. Oui, donc, moi qui dis You drive me crazy et lui qui dit You drive me crazy et comment. Donc, on a décidé qu'on allait faire ça parce qu'on aimait en vol, les gens aimaient nos deux mélanges de styles. Et puis, la deuxième est un peu plus rap. Et j'aime comment tout le monde a rendu ça plus personnel aussi. Tu sais, parlant au début de la chanson, il est occupé, sa mère est en Afrique. Donc, il a vraiment rendu ça encore une fois plus riche. Tu sais, en collaborant, ça devient encore meilleur, je trouve. Et puis voilà, alors on a écrit la chanson ensemble et puis le vidéoclip, comme vous avez mentionné, les images, on voulait que ça soit, parce qu'on avait déjà fait en vol, donc on se disait, oh, il faut que ça soit un autre niveau cette fois-ci. Tu sais, on a plus, parce qu'en vol, c'est fait très rapidement. Tu sais, en vol, on s'est rencontrés, en quelques heures, on a écrit la chanson, 2 semaines plus tard, on a tourné le vidéoclip. Donc avec Crazy, on a plus pris notre temps. Avec la pandémie, ça n'a pas aidé. Là, ça a vraiment ralenti les choses aussi. On a eu le temps de penser à ce qu'on voulait faire. Puis, C'est vraiment, comme je l'ai dit là, c'est vraiment, c'est très beau, c'est très beau. Alors, donnons l'occasion aux auditeurs de Rythme au Féminin d'entendre la chanson Crazy que voici. excellent. On se rend fou, ma chérie. Balèze, costaud, le mental est blindé. Bosseur, je charbonne toute l'année. Posé dans le bando, c'est comme ça que j'aime. Les quinois le disent, système, y'a j'aime. Tu sais de quoi je parle, souvent j'ai pas le temps. C'est pas que j'étais vite, mais cherche à être content. Y'a les bleds qui pleurent, il me faut nourrir la daronne. Ouvrir des business, le bénéf j'encaisse. Je craque, craque quand tu pètes les plombs. Mon amour, je kiffe, kiffe quand tu m'es fait fondre. Je ressens pour toi est fort, bébé, comme quand je te serre contre mon corps. You drive me crazy. Comment tu peux être ma faiblesse et ma forteresse quand chez moi ça va mal et que je souffre, t'es là ma doctoresse. Tu as prédit tout ce que l'on vit comme une prophétesse. Je ne peux que te remercier, ma prêtresse. Je ne te laisserai pas partir pour des histoires banales. Notre histoire sera gravée dans les archives et annales. Ils se souviendront de nous comme un couple royal. Que nous avons vécu un amour fatal, inspirant et motivant comme une pièce théâtrale. On les aura fait rêver des évasions spatiales. Pendant qu'ils seront dans la période la plus spéciale, vers des horizons sans discrimination raciale. Mais sur mon corps, tout est...
C'était la chanson Crazy. Vous êtes toujours à l'écoute de votre émission Rythme au féminin avec Adèle Yambayamba. Donc, nous recevons aujourd'hui Renelle Leroy et on invite à nos auditeurs aussi d'aller regarder hein, la vidéo de la chanson Crazy pour avoir un peu une idée de quoi on parle. L'habillement, le maquillage, c'est tellement formidable. Alors, Renelle, il y a 18 ans, vous avez gagné le gala albertain de la chanson connue maintenant sous le nom de Polyphonique. Quelle porte cette expérience vous a ouverte par la suite? Oh wow, oui, je me rappelle, tout s'est passé tellement rapidement. Je venais de décider, comme j'ai mentionné au début de mes vingtaines, je chantais dans une chorale. Je me suis dit, oh, je devrais essayer la musique pop. J'ai mis ma candidature pour le gala. Apparemment, ils ont eu un record de gens cette année-là. C'était vraiment une belle année. Wow, c'était tellement une belle expérience. Les portes que ça m'a ouvert, c'était plein de choses. C'était la première fois que je me présentais comme artiste solo, être vraiment seule avec le micro, choisir mes chansons. À cette époque, j'écrivais pas encore ma propre musique. J'écrivais pas mes textes. Donc, j'avais choisi une variété de chansons et puis une variété de styles. L'expérience était incroyable. C'est comme c'est Polyphonique de nos jours. Tu sais, les gens disent toujours, ils disent que c'est un tremplin. Puis c'est vrai parce que tu apprends, je pense que ça donne la confiance. Il y a aussi des formations. J'avais eu quelques formations avec des artistes du Québec. Ouais. Et puis, même quand j'ai refait Polyphonique il y a quelques années, encore une fois, les formations étaient vraiment excellentes. Je pense que quand je l'ai fait la première fois en gagnant aussi, ça m'a vraiment, les gens ont commencé à me connaître un peu plus. Ceux qui venaient me voir, disons, chanter à l'église ou avec la chorale Saint-Jean me connaissaient déjà comme chanteuse. Mais quand j'ai fait le gala, c'était vraiment la communauté en général. C'est dit, oh wow, Renelle chante vraiment. Ça vous a vraiment lancé sur la scène musicale, vraiment. Oui, c'est ça. Puis j'ai eu la chance j'ai voyagé. Les quelques années après ça, je suis allée à Vancouver. J'ai représenté l'Alberta lors du centenaire de la province. J'ai été choisie comme une des seules artistes pour aller à Ottawa. Ouais. Et puis, ouais, j'ai fait quelques petits voyages, puis c'était vraiment le fun. Ouais. Excellent. Renelle, vous êtes auteure, compositrice, interprète, et vous avez décidé de vous lancer justement dans une carrière solo. Écoutons votre chanson « J'aime » qui marque justement votre retour sur la scène musicale. Nous venons d'écouter Renelle Roy dans sa chanson « J'aime » qui marque votre retour d'auteur, compositrice et interprète. Quels ont été les défis pour vous de vous lancer dans une carrière solo? Les défis, oui. Je pense que
le plus gros défi pour moi, c'est peut-être le temps et l'argent, mais j'aime beaucoup ça, alors je continue. Renelle Roy, auteure, compositrice et interprète. Merci beaucoup et à une prochaine fois. Merci beaucoup, à la prochaine. À la prochaine. Auditeurs, auditrices, ceci met fin à notre découverte d'aujourd'hui. Retrouvez-moi la semaine prochaine. Au micro, c'était votre animatrice Adèle Yambayamba. À très bientôt.